se passait autour de la plaine, il fallait aussi que nous, habitants, habitués, pratiquants de la plaine, on arrive à proposer quelque chose. Notre forme de proposition, c'est celle d'arriver et de te dire cette place-là, on peut en prendre soin. On a été assez lucide sur ce qui s'est passé. C'était rendre cette place, entre guillemets, insalubre, la laisser pourrir pour à un moment donné venir justifier les travaux à la con qui sont clairement comment construire des cimetières dans le centre-ville, quoi. C'est comment tuer la vie qui est la vie de quartier. Il y a pas mal de gens qui sont pas dupes de ça et qui se disent oui, on a besoin d'endroits pour s'asseoir, on a besoin d'endroits pour se retrouver, parce que le seul endroit où le collectif peut encore exister, c'est dans la rue, tu vois. C'est dehors et c'est sur les places, tu vois, parce que tout le reste a été intitulé d'une telle manière que t'as que de l'individu, quoi. La raison pourquoi on a fait cette table, c'est que c'est possible, avec pas grand chose, d'aménager la place comme on a envie. Et de pas attendre que ce soit des institutions ou qu'il y ait toujours des trucs pas possibles pour... Là, c'est juste installer une table, ça coûte rien et c'est hyper pratique. Voilà. Bah, cette table, c'est, ça va être, j'espère, l'endroit déjà de plein de bavardage. On va s'asseoir ici et puis on va pas se laisser faire, quoi. On va pas les laisser venir avec leur bulldozer, tout détruire, détruire tout ce qu'on aime, quoi. Un peu de vie, un peu de bordel. Comment est-ce qu'on peut mettre tous les foraines qui ont le même article à côté? Ils vont tous se tuer, c'est pas normal.